Salut à tous, spécial Marseille. Une fois n'est pas coutume, au lieu du soleil, c'est la lune qui nous illuminera dans cette belle cité phocéenne en compagnie de trois artistes. Tout de suite le sommaire, Toco Blas, Urban Griot de la scène Raga nous accueillera, ou Marco Yate, Griot lui aussi, mais de naissance nous bercera au son de Sakura, et Bella Lawson, la bien nommée, nous parlera de Zouk. Combien de temps encore des élus vont tout masquer? Combien de temps encore on va pas polémiquer? Combien de temps encore... Vous êtes sûr, vous aimez le ska ? Nous poursuivons donc cette nuit marseillaise avec un artiste bien connu ici, Toco Blas. Bonsoir Toco. Bonsoir. Alors Toco, présente-toi à nos téléspectateurs. Ben, Toco Blas, artiste franco-africain de Marseille, voilà, dans la mouvance Robadop Style, Ragamuffin. Toco, tu as célébré il n'y a pas si longtemps tes 20 ans de carrière. Mm-hmm. Comment est-ce que tout a commencé pour toi? Ça a commencé d'abord par cette passion pour la culture hip-hop, c'est-à-dire la danse, le graffiti et le rap, début des années 90. Voilà quoi. Je me suis lancé. J'ai participé, on va dire, plutôt à un atelier d'écriture qui est animé à l'époque à Vitrolles par le Massilla Sound System. Et voilà, quoi, de fil en aiguille, j'ai écrit mes premiers textes, je suis monté sur scène. On a fondé un groupe, les Black Lions, et voilà. Quoi. Alors l'école, la composition avec Toco, c'est de différentes manières. Soit moi je lui amène des morceaux, genre des maquettes très simples, et lui il pose sa voix dessus et on bosse sur les mélodies ensemble. Soit lui vient avec des mélodies déjà faites et moi je compose de la musique autour. L'homme Toco Blas, il est posé, il est réfléchi. C'est quelqu'un qui a l'image de sa musique, c'est-à-dire engagé, ouvert sur le monde, avec un esprit critique et une réflexion... bien supérieur à la moyenne. Alors Toco, dis-nous un peu de quoi parlent tes chansons. C'est mes chansons parlent de, disons que c'est un point de vue personnel, c'est ma vision du monde, quoi. Donc c'est souvent une réaction à quelque chose que j'ai vu ou entendu ou lu. Donc ça parle beaucoup de société, du monde qui nous entoure, quoi. Des choses de l'actualité, beaucoup d'actualité quand même. C'est vrai que même si j'ai des textes qui datent de qui ont déjà presque 10 ans d'existence, que je joue souvent sur scène, tu as toujours l'impression qu'ils sont d'actualité parce que c'est comme un cycle, c'est des choses qui reviennent et, ou des choses qui ne changent pas aussi souvent. Tout à fait. Sauteurs se déploient hors des cités. Pour tous ceux qui n'ont jamais cru en la musique trop basanée, on va parler en toute liberté, dénoncer l'inégalité, malgré le manque de fraternité dans le grand ghetto français. Alors Toco, avant de se dire au revoir, tu vas quand même nous dire ce qui est prévu, ce qui est à venir concernant ta carrière. Ben, c'est la préparation d'un nouvel album qui est prévu pour le printemps 2012. Donc voilà, là on est en période d'écriture. Après, à partir de septembre, on va rentrer en phase d'enregistrement. Et après, voilà, quoi. On va attendre la sortie. Et après la sortie, des concerts. Et donc là, ce sera l'album numéro 6. 6, c'est pareil. Et bien, Toco, je te remercie pour ce moment passé avec toi dans cette ville qui est aussi la tienne, Marseille. Merci, Toco. Merci, bye.
Omar Kouyaté. Je viens d'une famille de musiciens, une très grande famille où mon père, ma mère, tout le monde fait la musique. Au fait, moi, je suis né en Guinée, mais j'ai grandi ailleurs. Ce qui a fait que la musique, j'ai appris plus tard. Mes frères ont grandi dedans, mais moi, je l'ai appris plus tard. Ce qui veut dire, en fait, 19 ans à l'extérieur de mon pays. Après les 19 ans, en 95, je suis revenu en Guinée. En 96, je me suis mis à la musique. Donc, jusqu'à maintenant, quand on me pose la question, quand j'ai commencé la musique, c'est plus fort que moi que je me dis souvent, ben, je ne sais pas quand j'ai commencé la musique. Parce que c'est dans le sang, voilà. C'est dans le sang, comme on dit. Parce que je suis griot, ça fait 6 ans que je suis en France. Mais mon objectif, du fait que je suis en France, je suis là parce qu'en fait, en Guinée, mon père, il a une association. Omar, de quoi parlent tes chansons? Mes chansons, la plupart, même pas la plupart, ça parle beaucoup de la paix, beaucoup d'amour et beaucoup de partage dans la vie actuelle. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plus eux-mêmes. Comme on le sait, c'est vrai, la vie quotidienne, il faut s'élever, il faut faire des choses. Mais on ne peut pas courir en même temps s'habiller ou danser. Ce n'est pas possible. Donc dans la vie, c'est une question de choix. Cette choix, je veux dire, c'est d'être connecté à soi-même. Comme je dis chez moi, il y a 3 jours de plus important pour moi, que je les vis déjà. En bon français, on dit dans l'année, il y a 366 jours, c'est ça. Et moi, je dis il y a 3 jours. Mais dans ces 3 jours, il y a un seul jour qui est plus important pour moi. Je dirais, ben hier est l'histoire. Demain est un mystère. Aujourd'hui, c'est un cadeau. Donc, pour profiter, c'est pour ça qu'on appelle le présent. Quels sont tes projets proches à venir? Un projet proche à venir, c'est plutôt aussi parce que j'ai passé aussi une partie de ma vie un peu dans la rue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie d'apporter un coup de main vraiment énorme aux enfants de la rue. Les apprendre ma culture, les apprendre comment fabriquer l'instrument. Et aussi l'album qui doit sortir, mon album bientôt aussi qui doit sortir. Ben, pas cette année, on a prévu l'année prochaine. Parce qu'il y a beaucoup de préparation à faire. Donc là, c'est l'album s'appellera La Voix de la Paix. Alors Bella, présente-toi à nos téléspectateurs. Salut à tous. Je m'appelle Bella Lawson, je suis chanteuse. Je vis à Marseille depuis 20 ans. Voilà, on est à Marseille, il fait beau. Bella, quel est ton parcours et comment es-tu arrivée à la musique? J'ai commencé à l'âge de 11 ans au Togo à interpréter pas mal de morceaux. Et après, j'ai travaillé aussi avec des morceaux de Monisika, de Bella Bello. Et après, arrivé à Marseille, j'ai travaillé avec le Rouban à Marseille. Et après, j'ai contacté d'autres musiciens sur Paris. Et c'est là que j'ai pour faire la programmation et puis enregistrer mon morceau sur Paris et puis l'album L'Homme Nava aussi qui s'intitule Si tu m'aimes, tu viens me voir. Et puis voilà, on continue le chemin, on est encore à Marseille. Alors Bella, de quoi parlent tes chansons? Mes chansons, elles parlent de l'amour comme L'Homme Nava. Et Miatos Elegipo, c'est notre Père qui est aux cieux, c'est la prière et les problèmes de la vie aussi.
du quotidien, quoi. Voilà, tout ce qui se passe, par exemple dans un couple, dans une famille. Et j'essaie de faire passer le message par mes chansons. Et tout cela avec le cœur. Marseille by Night, c'était deux griots et une diva spéciale Marseille. Rendez-vous prochainement dans une autre ville. Bye bye!